d'ailleurs, tout le monde me demande est-ce que je travaille ici à cause de ma veste jaune, il n'en peut plus. Attends. On peut danser ? Ouais, dansez pas trop. Ah, viens vous voir ça. J'ai aucune idée de ce que c'est, Vita Excel. Hop là. Ce genre de choses est fini, les gars. Mon assistant. Ah, c'est déjà bien ça. Mon assistant m'a magnifiquement aidé. Le canapé est monté. Oh ouais. Coucou les amis. Donc là, moi je rentre du boulot. Et je suis avec ma maman, elle est venue voir l'appartement David, mince, qui est en train de nettoyer. Lui, il est trop motivé. Et demain, on va chez Ikea. Ikea. Et on va ramener des meubles. Et tous les meubles, ils arrivent d'ici la semaine prochaine. Il y a des trucs qui sont déjà transportés. Nanana, parce qu'on a tout commandé le soir où on était venu vous montrer un peu l'appartement. Et donc là, on est toujours dans la cuisine. Je crois que ça va être mon endroit préféré. Et je vous montre quelques plans. Et je suis trop contente. Voilà quoi. Hello. Salut. On est en chemin pour aller chez Ikea, mais avant il faut aller voter. Moi je vais aller voter. Et après franchement je vais aller chez Ikea. Vous avez vu, sorti le style Ikea. C'est vrai, hein. Style Ikea. Hello. Ben là je suis dans la merde parce que comme j'avais déjà dépouillé une fois pour l'élection des républicains et tout ça, et là on m'a demandé de dépouiller ce soir. Donc du coup... Elle est engagée, ça y est. Je vais dépouiller. Donc voilà, il faut que je coupe, voilà, mais c'est bon, c'est à 20h, on a largement le temps, quoi. Mais rien. Donc on est chez Ikea. On fait d'abord un petit tour en fait, histoire de tout repérer un peu ce qu'on voulait acheter dans tous les cas, comme on a les références, etc. Et puis on profite pour regarder pour tous les trucs qu'on n'avait pas encore en fait. On a trouvé notre table, elle est grave grande, elle est extensible, et peut même en petit, elle est cool. Comme les vieux. Il est comme les vieux, il a tout et tout ça. C'est smartphone. Ah, on peut mettre une barre comme ça pour les serviettes, mais derrière la porte. C'est pas fait exprès. Pareil, on met une barre comme ça derrière la porte. Donc, comme ça, on accroche toutes les serviettes dessus. Et on hésite aussi pour ce meuble-là à mettre au-dessus du bidet. Je peux ranger tous mes produits dedans et mettre des petits paniers comme là. Et les gros produits, genre les grosses bouteilles de shampoing, grand format, tout ça, ça rentre. Et on avait pensé aussi à prendre ce meuble-là pour mettre à côté, parce que nous, on a une espèce de lampe avec une prise électrique dedans qui nous empêche en fait de pouvoir mettre une lampe comme ça. Et on voulait prendre celui-là, il est bien, se met à côté. On peut ouvrir ça. Il est cool, hein. On va prendre un plateau pour deux. Oui. Prends un petit poulco. Ça va bien, ça. L'alcool est moins cher que le pulco, parce que c'est vraiment vrai en plus. Comme ça, après t'es bourré, t'achètes n'importe quoi dans le magasin. Tout le monde me demande est-ce que je travaille ici à cause de ma veste jaune, il n'en peut plus. Donc là on est en train de prendre... En fait on a déjà trouvé à peu près tout ce qu'on veut. Et on est en train de se faire un petit casse-croûte chez Ikea. Mais grave. Ah non mais le pote, ça bouge de ouf.
Voilà, on sort du magasin. On a déjà récupéré la partie qu'on pouvait prendre. Là, il y a la princesse qui attend. Notre chauffeur de chez Stouty. Stouty, c'est une petite application de la Maïf. Vous irez voir, c'est trop cool. Vous pouvez demander des services à des gens et tout. Et là, du coup, on a trouvé un chauffeur qui va venir nous chercher à 18h pour récupérer ça. Et encore une autre commande à récupérer là-bas, la... Comment on appelle ce truc en français là. Allez, au quai de chargement, on va dire, quoi, voilà. C'est du chariot tout terrain, qualité suédoise. Donc là, c'est la voiture qu'on a eu sur le site. Elle est énorme. Truc de déménagement. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il va y avoir des travaux dans l'appartement où on est. Et ils ont fait des zones de stockage pour que les gens puissent stocker leurs meubles le temps qu'ils fassent les travaux. Et nous, on a profité de ces zones de stockage à notre étage pour mettre tous nos trucs. Alors ? Ça va ? Oui, c'est bon là. Ouais, bouge pas rien. Non, c'est bon. Il faut que t'aies. Ah. Il y a là, toi aussi. Voilà. Maman, pourquoi tu vas pas t'asseoir toi ? Si elle y va, c'est bon. Ça marche. Alors, maman ? Ouais, non, c'est quoi là ? Il faut mettre les pieds là. Ouais. Attends. On peut danser ? On peut danser ? Ouais, danser pas trop. Histoire et cœur. Entre temps, il y a un transporteur qui m'a appelé pour me dire qu'il avait un colis et qu'il était devant chez moi. J'étais pas encore vraiment sur place. Mais là, je donne tout, je cours. Là, du coup, je vous emmène encore dans notre nouvel appart pour faire un petit peu de bricolage. Tout de suite. Hop. Voir ça, j'ai aucune idée de ce que c'est Vita XL. Hop là. Alors comme j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est, on va ouvrir ça ensemble. Encore en bas, je l'ai intercepté. Bon, apparemment, en fait, ça arrive peut-être en plusieurs colis, donc on va se revoir dans la semaine, hein. Moi et lui. Bon, pendant ce temps-là, on va continuer à monter quelques petits meubles, comme celui-ci ou comme celui qui est là-bas. Ultra dalle. Et le dernier meuble, la chaussure, vient d'être remonté. Le voilà, 1, 2, 3 et 4. Ils sont tous montés.
Avec votre courage et votre aide, hein. Vous étiez là, vous m'avez regardé. Hein. Allez, on va continuer un petit peu de montage des internautes. C'est parti. Il est fini. Entre-temps, j'ai totalement... Entre-temps, j'ai totalement oublié de vous filmer ou quoi que ce soit. On a l'électricité, il y a le canapé qui est arrivé en entier. Voilà, il y a mon gars sur Kaeden qui est arrivé. Aïe, aïe, aïe. Avec les outils. Avec les outils. Deux boîtes à outils, là. Celle-là et celle-là. Voilà. Et du coup, là, on est en train de monter ce canapé. Ah non, 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 je vous dis, ça glisse, on va faire ça bien, on va vous montrer un petit peu là. On est de retour, donc j'ai déjà monté un petit meuble. Et la surprise, tadam! Il est content. On a également mis ce petit meuble là, déjà pour l'instant. Qui passe même avec la fenêtre ouverte, c'est chambé. Oh ouais, on va continuer. Là, on a encore un petit meuble qui est déjà monté. Il y aura juste à rajouter cette porte et à voir de quel côté on veut l'ouvrir avec madame. Hop là. Ce genre de choses est fini, les gars. Mon assistant, ah, c'est déjà bien, ça. Mon assistant m'a magnifiquement aidé. Le canapé est monté. Oh ouais. Quand même. Loulou. Conforama vient de nous livrer. Petit frigo. On va voir ce qu'il en est. C'est parti. Attends. Il est arrivé, il est monté, il est tout beau. Il n'est pas encore branché, il n'y a rien à mettre dedans. Il y a encore tout ça enlevé. Mais sinon, c'est du beau, c'est du neuf. Salut à tous, et on est de retour toujours dans les méga cartons et dans tout genre de trucs. Et on vient de recevoir ce meuble télé. Voilà, j'ai enfin tout déballé. Bon, ça va être un vrai casse-tête. Il y a tout ça. Il faut raccorder tout ça avec ceci. Bonne chance. On a donc bien reçu ce meuble télé qui est en train d'être monté. Et en plus, on vient de recevoir... Tadam ! Machine à laver qui est montée et installée. À ce qui paraît, on peut l'utiliser immédiatement.